Il a accepté d'être renvoyé devant la justice belge. Depuis un an et demi, Salah Abdeslam est détenu à Fleury-Mérogis, à l'isolement. Il sera jugé pour tentative d'assassinat sur des policiers en Belgique. Des faits qui remontent au 15 mars 2016. À Forêt, une commune de Bruxelles, les policiers belges et français sont sur la trace des terroristes du 13 novembre. Ils pensent perquisitionner un appartement inhabité. À leur arrivée sur place, ils essuient des tirs. Un djihadiste algérien est tué. Salah Abdeslam et un complice prennent la fuite en passant par les toits. Trois jours plus tard, Abdeslam est interpellé dans son quartier, à Molenbeek. Fin de cavale pour le djihadiste, extradé un mois plus tard en France. Depuis, il garde le silence face au juge. C'est désormais en Belgique que sa parole est attendue.